C'est eux ? Eh, c'est sur notre chemin. Ok. C'est ici, chez Biggs. On dirait bien qu'il n'est pas encore rentré. Apparemment. Il doit encore être en pleine réflexion. Et il fait toujours le point après chaque mission. Il cogite tellement qu'il en a de la fièvre, parfois. J'aurais pas cru. Ça m'inquiète un peu, quand même. Mais bon, allons voir chez Jessie, maintenant. On s'est disputé parce qu'elle veut pas partir. C'est ici qu'habite Jessie. Par contre, les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Elle vit en coloc avec d'autres aspirantes actrices. Va pas essayer de t'introduire en douce, surtout. T'inquiète. Et au cas où, il faut que je te prévienne. Elles adorent toutes les ragots. Elles sont pas au courant pour Avalanche ? Non, ça va. Jessie est bonne actrice. Ah ! Encore un petit conseil. Tu devrais pas trop la prendre au sérieux, tu sais. De quoi tu parles? Mais bon, toutes les femmes sont des comédiennes. Puisque je te dis que c'est interdit aux hommes! T'as entendu parler ce travail top secret dans le réacteur Mako? On peut postuler, même si on vient du bidonville. C'est pas vrai. C'est juste une rumeur, mais il paraît que le salaire est super élevé. Par contre, seuls ceux qu'ils auront choisis pourront en profiter. Ah bon? Ça me fait un peu peur. Je vais chercher du boulot dans le secteur 5 demain. Du calme, Flo-Flo, Giba, Patty. Venez faire coucou. Aujourd'hui, c'est eux trois qui montent la garde. J'y vais. Merci de m'avoir ramené. Je t'en prie, et soigne-toi bien. Ok, mon frère, c'est gentil. Si tu pouvais éviter de m'appeler comme... N'ayez pas peur, tout va bien. Il est gentil, vous verrez. Comme un frère. Voilà, voilà, c'est bien. C'est les chats à papa, ça. Oh, c'est mes petits chats, ça. Ben alors, Flo-Flo.